Shanice. The system I pull out the youths, them teeth like dentists. We know you see the tears on me, I met this. Violence, violence, the youths them now. Yes, I am. Brother Jimmy, hey boss, call out the Sweet and Buds TV. What of you, man? Right? Check some, man. Sweet and Buds TV. This is a Buga de Sinetra. Right? Now I miss it again. Violence, violence. I miss it to all evil men. Shun it to heaven when me come. You tell me, tell me, sir. Babylon will leak up, yeah. I love you in a shun of grief. Bon, franchement, c'est depuis tout petit, hein, puisque je suis guadeloupéen, d'une génération, justement, toutes les valeurs étaient basées sur le sport, le respect, que ce soit le respect, que ce soit au niveau physique aussi, quand on voulait développer notre corps, quand on voulait, tout simplement, c'était, le sport aussi, c'était un facteur social. C'est-à-dire que si ou pas à jouer au ball, si tu joues pas au football en Guadeloupe, quand tu étais petit, quand j'étais petit, mais tu peux pas avoir d'amis. Tu comprends? Si tu fais pas de vélo, tu peux pas avoir d'amis. Si tu sais pas nager, qu'on va à la mer, tu peux pas avoir d'amis. Tu vois, ok, tu veux pas nager qu'on plombe, pas machin vert ou sûr. Donc, non, le sport, et puis bon, nous aussi, les Antillais, Guadeloupe, Martinique, on est quasiment nés dans le sport. On dit souvent Guadeloupe, c'est terre de champion, mais c'est pas juste un slogan, c'est une réalité, puisque bon, on avait des exemples aussi. Hein. Moi, tout petit, Maurice Trésor, c'était mon idole. Hein. Et il l'est toujours, tu vois, Maurice Trésor, c'était mon rôle modèle, quoi, tu vois. Donc, quand tu as la chance de voir Maurice Trésor en pro, dans ta télé, en plus, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de matchs, capitaine de l'équipe de France. Je me rappelle quand il marque une tête contre le Brésil en 1977, où il égalise 2-2 à 5 minutes de la fin à Maracana. T'as vu, c'était comme si c'était hier. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ça. Le sport et moi, c'est de l'amour. Et j'ai beaucoup pratiqué aussi. Je n'arrête pas. Jusqu'à maintenant, je pratique. Comme on dit, on fait trois souhaits par semaine, mardi, jeudi, samedi. Je suis déjà quadra. Donc ça va. Je pense que le sport m'a bien conservé. C'est un truc tout bête. Hein. C'est mon quartier. En bas, Cité Mickaël, bar 45, bâtiment BB. C'est là que le centre de formation. Avec tous mes potes, Rémi Forbin, défunt José Forbin, Rudy Plicos, toute la famille, c'est des c'était une dizaine. Le papa, il a fait beaucoup d'enfants, respect monsieur. C'est mon quartier, Cité Mickaël, bar 45, bâtiment BB. Et là, on joue au foot dans la rue même. C'est-à-dire que là, on se garait les voitures. Donc, des fois, on cassait, pas des vitres, mais des petits rétros, des trucs comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'après, les gens, ils ont compris. Ils garaient leur voiture au bout du parking et nous laissaient toute une place pour qu'on puisse jouer. Ça, c'était magnifique. Ça, c'est mes meilleurs souvenirs. Mes premiers, mais aussi meilleurs souvenirs en tant que pratiquant dès le départ. Quoi. Tu sais, quand t'es petit, oui, c'était ça. Et puis, on affrontait les autres quartiers. On affrontait Cité Mickaël, bâtiment BA. On affrontait l'assainissement. On affrontait nos frères de Bergevin. Jusqu'à maintenant, on s'affronte. On est... Jusqu'à maintenant, la rivalité bar 45 Bergevin n'a pas arrêté. Mais bon... Mais une rivalité saine, hein. On est tous des amis et tout. Et puis, il y a eu les frères de l'assainissement, la Croix, non. Et puis la Pointe aussi, oui, les challenges de la ville. Ça aussi, c'est un bon souvenir. Parce que je suis parti en France à l'âge de 12 ans. Donc, j'ai fait du foot en France, différents trucs. Et en 95, je suis revenu en tant qu'artiste. Et j'ai repris automatiquement le football dans mon quartier et tout avec les amis. Et on a gagné deux fois le challenge de la ville quand même à Pointe-à-Pitre, qui est un tournoi de foot à 5-6 sur les playgrounds. Et c'est un tournoi de foot très relevé. C'est-à-dire qu'il y a certains pointois, on préfère gagner le challenge de la ville que gagner le championnat de la Guadeloupe. Mais ça, il faut bien comprendre. Je pense que ceux qui sont à Londres vont comprendre. C'est les derbys londoniens, donc nous, c'était les derbys pointois. Quoi. Voilà. Et puis les Red Star SS, ça c'est incontournable. L'escrime, j'ai commencé avec l'escrime mon gars, parce que le foot c'était naturel, mais la première licence que j'ai eue c'est l'escrime. Et mon entraîneur, il est toujours vivant, c'est monsieur Robert Gara, grand Manitou de l'escrime en Guadeloupe. Robert Gara qui est d'origine vénézuélienne, et en fin de compte c'est encore à cause des amis de la cité toujours, parce que vous voyez quand on parlait de facteurs sociaux, et bien dans la cité, on avait des champions d'escrime qui sont Rudy Plicos, surtout Rudy Plicos, qui est un fan d'escrime, d'ailleurs il est dans l'encadrement encore en Guadeloupe des escrimeurs et tout, et lui nous a contaminés. Lui faisait de l'escrime, on le voyait et tout, et puis à l'époque il y avait aussi le film Zorro qui passait à la télé. Alors nous, comme on regardait Zorro, on avait Rudy qui faisait de l'escrime et qui ramenait des médailles. Un moment, quasiment tous ceux qui jouaient au foot, on a décidé on va faire de l'escrime.
Donc Rémi Forbin, défunt José Forbin, les mêmes noms, sauf les CDCAS. On est reparti dans l'escrime. Et d'ailleurs, ça a créé des champions, hein, puisque Rémi Forbin, je m'en rappelle, mon ami Rémi Forbin m'avait battu en demi-finale du challenge encore, voilà, challenge de la ville encore une fois en escrime. Je sais plus si en demi-finale ou en finale, mais comme je n'aimais pas perdre, j'ai plus touché encore un fleuret de ma vie. J'ai pas aimé de perdre comme ça, j'ai pas aimé. Et lui, il avait gagné par contre, et son frère aussi est devenu champion à un moment aussi, José. Après, eux, ils ont pratiqué le basket, mais moi, je suis resté à l'escrime un peu et football, beaucoup de football et du vélo, mais de quartier, quoi. Mais en licence, ouais, c'est escrime, football, et ensuite, j'ai fait du tennis. Je fais de la danse parce que la danse aussi je considère que c'est un sport pour moi. Je fais beaucoup de danse, jazz rock, funk, soul, smurf, tout ça. Mais j'ai pratiqué un peu d'aïkido. Voilà. Mais tous ces sports-là, je les pratiquais uniquement en complément du foot. Mon sport numéro un, c'est le football. Pour moi, tous ces autres sports-là m'apportaient quelque chose pour le foot. La danse pour la vivacité, l'aïkido pour le déplacement, et puis aussi pour le self-control. Comme ça, tu ne te bats pas sur un terrain. Et c'est très bizarre, puisque je suis quelqu'un de très impulsif dans la vie, un peu nerveux dans la vie. Et sur un terrain de foot, quand il y a licence, hein, je ne parle pas de souhait, mais dès que je suis licencié, je suis quelqu'un de super calme, je mets tout dans l'énergie. En fin de compte, ma grande fierté, c'est que je n'ai jamais eu de carton. Jamais de carton, ça c'est ma grande fierté. Dieu sait que j'étais impulsif sur un terrain. Mais bon, voilà. Edson Arantes do Nascimento, Mr. Pelé, Mohamed Ali, Monsieur Cassius Clay, en 3, tu vois, le 3, John McEnroe, oh my God, lui c'est mon tennisman, mon gars. Ah là là, après ça devient compliqué. Après ça devient compliqué, il y a du monde, hein. Il y a du monde parce qu'après, il y a des gens que j'ai côtoyés. C'est-à-dire que les trois que je vous ai donnés là, les trois premiers, ça, c'est mes idoles en tant que gamin, adolescent. Tu vois, ouais, moi, John McEnroe, jusqu'à maintenant, te dit que si tu me vois jouer au tennis, je ne sais rien faire à part son service. Il avait une manière particulière de servir. Et moi, j'ai copié ça. Et quand je jouais au tennis contre des gars, ils étaient impressionnés parce qu'ils disaient « Mais c'est comme McEnroe !» Donc le temps que les gens comprennent, j'ai réussi à faire 2-3 essais. Après, ils voyaient que je n'avais pas vraiment beaucoup de technique, donc je ne gagnais pas beaucoup de matchs. Sauf contre mon ami Daniel Marius, qui regardera cette interview, et le père de Thierry Henry, oui, Tony Henry, que j'ai beaucoup battu au tennis. Je tiens à le dire, parce qu'il blague beaucoup, il m'a battu qu'une seule fois. C'était un matin alors que j'avais fait nuit blanche. Et donc du coup il dit à tout le monde qui m'a battu au tennis. Donc voilà Tony, j'ai rétabli la vérité. Tu m'as battu qu'une fois et je t'ai battu 100 fois. Faut le dire ça. Bon allez, reste deux autres sportifs. Là ça va être plus pour le côté combattant. Mes amis entre guillemets, mais mes amis militants je vais dire parce que je ne les connais pas. Mais quand je dis mes amis parce que c'est les gens qui m'ont servi dans la vie pour que moi quand je me perdais un petit peu, leurs combats m'ont permis, moi, justement, de trouver ma voie. C'est Tommy Smith, les frères du Black Power, en 1968. John Carlos, pardon. Les frères qui sont montés sur le podium pour dénoncer les conditions des Noirs aux États-Unis. Je vais m'arrêter là, puisqu'on a dit qu'on ne parle que de sport. Donc on va pas aller plus loin, mais pour ceux qui me connaissent, sachez que les sportifs aussi activistes ont eu beaucoup, donc j'en étais à 4, et il y en a un cinquième, super que j'ai parlé des quatrièmes, parce que c'est le quatrième qui m'a emmené au cinquième, et c'est lui, c'est grâce à lui, entre guillemets, que je porte des dreadlocks, et ouais, beaucoup de gens pensent que je porte des dreadlocks par rapport à la musique reggae, par rapport à Rasta, oui, maintenant oui, ça n'a pas de problème, mais la toute première fois que j'ai décidé de mettre des dreads dans ma tête, c'est en 1987, ouais c'est bien ça, en 1986 plutôt, non en 87 pardon, lorsque Ruth Gullit est devenu Ballon d'Or. Mais c'est pas pour ça que j'ai mis mes locks. Vous savez pourquoi? Regardez dans les archives de France Football, à l'époque, je n'oublierai jamais, le gars il a dit je dédicace mon Ballon d'Or à Nelson Mandela. Et à l'époque, Nelson Mandela était emprisonné. N'oubliez pas qu'il est sorti de prison en février 1990. Nelson Mandela est emprisonné en 1987. Je peux vous dire, le tollé positif,
médiatique que cela a fait quand Ruud Gullit, un footballeur, dont les footballeurs d'habitude, vous savez les clichés qu'il y a, surtout dans les années 80. Donc un footballeur à la fin des années 90 qui vient de dire « Moi je dédicace mon ballon d'or à Nelson Mandela, à Mandla », ça, ça m'a marqué. Tout de suite, j'ai poussé les dreadlocks. Tout de suite. Et d'ailleurs, le président des Black Stars peut témoigner de ça, Eric Fabre, puisque c'est le club où je jouais. J'avais comme entraîneur Toko, qui jouait au Paris Saint-Germain. Et tous leurs surnoms, pour moi, c'était Gullit. Tous, ils m'appelaient Gullit. Et donc, voilà. Ben, tu as eu mes 5 sportifs préférés. Et après, il y a eu la connaissance avec Lilian Thuram, que j'estime énormément. Même si on n'est pas tout le temps d'accord sur certaines prises de position, maintenant, elles sont de plus en plus rapprochées. Mais voilà, l'homme, l'athlète, le mec qui prend des prises de position, le guerrier face à Nicolas Sarkozy, lorsqu'on parlait de discrimination positive, le mec aussi qui nous a permis, nous, de mettre en place B-World Connection, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais qui n'agissent pas. Lilian Thuram, il parle et il agit. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, mais au moins, le mec, il est charismatique, il est authentique. Et moi, j'aime les gens comme ça, qui sont authentiques. Après, c'est comme moi. Moi, je m'estime authentique. Mais il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Donc, c'est valable pour tout. Mais le principal, c'est d'avoir sa personnalité. Ça, c'est très, très important. Donc, tous les sportifs, qui soient noirs ou blancs d'ailleurs, qui ont du charisme, leur personnalité, et surtout qui sont aussi un peu activistes pour des causes, des bonnes causes, ce sont mes gars. Ton meilleur souvenir. Mes gars ou mes femmes. Parce que ouais, ça fait un peu misogyne mon truc, il y a beaucoup de femmes qui ont apporté. Tu vois les sœurs Williams, oh là là, Serena, Vénus, respect. Le père Williams qui est derrière aussi, tu vois. Et puis bon, là j'ai parlé que de noirs, mais il y a eu aussi des blancs, hein, tu vois, comme Bjorn Borg. J'ai beaucoup aimé. Alors McEnroe Borg, c'est deux contrastes. Mais justement, j'ai beaucoup aimé Bjorn Borg. J'ai beaucoup aimé le caractère de Jimmy Connors. Ouais, le caractère sur un terrain de se battre et tout. Le calme de Lendl. Tu vois, je parle beaucoup des tennismans, mais ils m'ont beaucoup inspiré les tennismans. Parce que quand même, rester 4 à 5 heures sur un court, tu es tout seul face à toi-même. C'est pour ça que j'aime le tennis. Le sport, le foot, c'est bien. Il y a le collectif. Il faut que tu sois fort pour servir le collectif. Mais quand tu fais une erreur, tu peux toujours dire « Ouais, c'est la faute d'un tel ou un tel. » Au tennis, awa. Le tennis, c'est toi et toi. Donc, c'est pour ça que je trouve que le tennis, c'est l'un des sports les plus complémentaires pour le football, surtout pour le mental. Voilà. Imaginez un instant que ce coup de boule aurait été donné par Lilian Thuram, Sylvain Wiltord, Emmanuel Petit, tout le monde sauf Zidane.